Aujourd'hui, je vous montre comment fabriquer vos propres planches avec une scierie mobile pour moins de 300 euros. Ici, je me suis fait des plots d'orme, qui est un arbre très difficile à trouver aujourd'hui, donc que j'avais récupéré sur un chantier de démolition. Je commence tout d'abord par fixer un bastin sur le haut de ma grume pour avoir une surface de référence bien plane. Donc là, je la fixe avec des vis, on peut mettre une échelle, on peut mettre tout un tas de choses. On vient ensuite passer ce qu'on appelle une gruminette, qui est une sorte de guide qui se fixe sur une tronçonneuse. Donc il vaut mieux avoir une tronçonneuse plutôt puissante, hein, il y en a des pas chères, parce qu'une petite tronçonneuse ne suffira pas. On obtient ainsi une première planche, qu'on appelle la planche de dos, hein, qui est plutôt du rebut, et qui va surtout nous permettre d'avoir une surface de référence bien plane pour faire ensuite des passes successives sans avoir besoin de guide. On obtient un état de surface qui évidemment n'est pas aussi lisse qu'en sortie de scierie. C'est pour ça qu'il faut prévoir des planches un peu plus épaisses parce qu'on va devoir les retravailler à la raboteuse pour avoir des choses parfaitement lisses. Mais tout d'abord, on va falloir les laisser sécher. Il faut compter environ un séchage d'1 cm par face et par an.